Hello everybody. Bon, alors pour reprendre un petit peu la discussion sur nos valeurs, on les a schématisées avec 3 P. C'est-à-dire qu'on est pro, passionné et pragmatique. Pro, bah d'abord, c'est faut être professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est améliorer, avoir des process. Voilà, c'est-à-dire que l'édition a longtemps été un artisanat. Aujourd'hui, il faut être pro. Ensuite, on est passionné. Et ça, c'est à la rigueur, c'est facile. Parce que quand on est dans le livre, bah, on est passionné par ce qu'on fait. Donc voilà, c'est. Mais en tout cas, c'est un essentiel. D'ailleurs, le problème, ou les problèmes que moi j'ai eu dans mes recrutements, ça a toujours été avec des gens qui n'étaient pas passionnés par le livre. Il faut aimer le livre. Et si on aime le livre, alors on va pouvoir travailler ensemble. Et enfin, il faut être pragmatique. Pragmatique, ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'on met des nombres. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans les lettres, on est aussi dans les chiffres. On compte et on sait ce qu'on fait. Donc ça, c'est essentiel de toujours avoir à l'esprit que on est quand même un business. Donc on compte. Même si on aime beaucoup un livre, s'il ne marche pas, ben on est obligé de se rendre à l'évidence. Et puis, un petit bonus, il y a un quatrième P. qui est le mouvement permanent. Le mouvement permanent, c'est qu'effectivement, les choses ne sont jamais établies pour toujours. Elles peuvent être remises en question, il faut l'accepter, donc on bouge, on évolue. Voilà, donc les 4 P qu'on a développés aux éditions Le Duc. À bientôt!